Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qui aime sa vie la perdra, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel, vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix. » Mais pour vous, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.